Attends, je prépare les petites fenêtres là. Oui, bien sûr, fais ça. Fais ça avec grand plaisir. Oui, quoi? C'est bon quoi? C'est bon. On est en live. Bonjour. Attendez, je me suis pas coiffé pour vous, les petits amis. J'ai une énorme nouvelle, les gars, qui va vous mettre mes plus bactères. Je pense même Réseau va chialer. On est ensemble que pour seulement 10 minutes. 10 minutos. Ça va aller, mon grand. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on va vous diffuser les superbes pubs que nous avons tournées pour l'ADEME. Et ça va être super génial. On a beaucoup rigolé. Moi, j'ai rigolé au moins 5-6 fois en les regardant. Donc, ça va être super. Mais du coup, forcément, on sera pas ensemble de fou. Quoi? Bah ouais, les gars, je suis désolé. Ça va aller, mon Réseau? Ça va. Ça va aller. Il est beau, celui-ci. Le jaune te va très, très bien. Merci. Tu vois, comme un gant. Comme un soleil. Oui, comme un soleil. Tu es un petit rayon de soleil. Ils sont chiants à parler, là. Il y a vraiment rien écrit derrière. Tu es en train de montrer juste un t-shirt. Non, parce que... Non, rien. T'allais dire une connerie? Non, si je fais le poirier, oui, ça fait le drapeau ukrainien. Bleu et... C'est très drôle. Mais que si je fais le poirier? Tu sais faire le poirier? Je sais pas faire le poirier. Tu sais pas faire le poirier. Bon, on est sur un lieu de travail, après j'ai pas envie de me... Oui, bah après on va dire, les gars, vous êtes crazy. Vous êtes crazy, c'est pas possible. Putain, ça m'a fait rire, la dernière fois, je voyais Max Hildan. Ouais. J'ai vu un tweet déjà, hier. Déjà, moi de base, ça me fait rire. Déjà Max Hildan, la personne. Ça m'a fait rire. Juste ça, c'est bien. Mais j'ai vu un tweet qui disait qu'il ressemblait, c'était le sosie de, je crois, de Mélenchon, de Boudère. De Mélenchon jeune ou un truc comme ça. Quoi? Mais c'était le même. Non, attends, il y avait une, il faut que je le, mais où je peux retrouver? J'espère qu'il a liké. Si tu veux, on peut trouver une photo de Mélenchon jeune, ça. Non, parce que c'était, non, égale Max Hildan. Non, c'était une photo en particulier. D'accord. Et s'il vous plaît, je suis sûr que certains ont vu le tweet auquel je parle. Je pense pas que ce soit Mélenchon jeune, peut-être je me suis trompé. Mais il y a forcément des gens qui l'ont vu. Gigi, il fait trop le mec, je le retourne, dis-lui. Pardon, il y a un mec qui veut retourner. Ok, 2 rue Paul Vaillant Couturier, fils de pute. Là, c'est mon rêve de te retourner. Mais j'aime pas la bagarre, hein. Je parle vraiment non, de... Non, retourner, tu parles de sexuellement, le oui, exactement, oui. Je parle de ça. C'est un de mes rêves que tu me remplisses. très bizarre, ça. C'est vraiment le before du... C'est vraiment pas du tout dans les likes de Max Hildan. Parce que là, je suis dans les likes de Max Hildan. Non. Je suis dans les likes de Max Hildan. C'est les likes de Max Hildan, ça. Oui, c'est les likes de Max Hildan. Voilà, donc... Attention, alors. Donc en fait, vraiment, je pense que... Non, monte pas. La nouvelle génération Pokémon, elle est folle. Elle est folle. Ah, non, c'est vraiment là, chez Tiflore, fou. Putain, il a pas trouvé. Chiche. Les gars, si d'après mes calculs, on est 27 000 dans le chat, il y en a pas un qui a pas vu le tweet que j'ai dit. C'était pas Mélenchon, mais c'était le même, les gars. Non, mais non, c'est ça le problème. Ah, c'était pas Mélenchon. Mais je suis pas sûr. C'est bon. Non, genre, plus. Si je tape Max Hildan jeune sur Twitter dans les recherches récentes, il y a quelqu'un qui l'a. Ah putain, oui, peut-être qu'en faisant ça. Vas-y. Alors, je vais pas montrer l'onglet, mais. 80. Ça, il manque 4000. Vous pensez, ça arrive quand les 4000 followers récents de 2 millions? 2 mois. Ouais, je pense. Facilement 2 mois. C'est un peu chaud, hein. Mais en vrai, on est. En fait, c'est compliqué. Il faut que ce soit des gens qui nous connaissent pas déjà. Et en fait, tout le monde nous connaît. Mais c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'on est 7 millions sur Terre. Donc, il y a déjà 1 million d'abonnés. Les autres parlent pas français, c'est mort. Le problème, c'est que ça laisse plus beaucoup de place. En fait, t'es capé. Je pense que là, t'es au max du truc. On peut peut-être. Bah, je sais pas, en vrai, je sais pas. Je t'en rajoute 200. Comment t'expliques que Squeezie. Dwagby. Donc, bye, le bruit des balles. Ouais. Je sais pas. Bah, comme dit Dwagby, si je peux me permettre, après un pentakill vient toujours un ace. Oh, c'est beau. T'es sûr que c'est de lui? C'est de lui, c'est dans l'eau du game. C'est pas mal. Ah, peut-être qu'il s'est inspiré, ouais. Il me semble, hein. Non, mais ça me fait réfléchir. Ouais, ça vous inspire français, quoi, j'ai... Tu l'as dit? Je crois que j'ai mixé les deux. Tu sais que ça m'a inspiré de fou, cette phrase. Genre, elle m'aide au quotidien. C'est Mélenchon. Ok, c'était vraiment Mélenchon. C'est vraiment Mélenchon, du coup. Vous fusionnez avec Elstream, au pire. Oui. Oui, il y a Elstream qui est en live, là. Tu parles en espagnol, Max? Si, voilà, chica. Je sais dire une phrase en espagnol. Vas-y. Ana, no cierres la puerta del cuarto de baño que tengo que lavar los dientes. Wow. Je peux dire que ça. Je l'ai, j'ai compris ce qu'il a dit. Vas-y. T'as dit... Ana, ne... Ah, putain, mais ferme tu... pas le robinet... De la salle de bain quand la tu te laves les dents? La porte. Si elle a la porte. De la salle de bain parce que je dois me laver les dents. Parce que je dois me laver les dents. Je sais dire que ça. J'étais pas loin. Je sais dire que ça. Après, je sais aussi dire. Mi llamo Massimo. Massimo. Soy un alumno del Colegio Giro. Tengo 13 años. 13 años? T'es petit. C'est un peu vieilli. Entre temps, t'as grandi. J'ai pas actualisé. Mais je sais dire ça en tout cas. Il est très fort. Comment? 13. Oui, vas-y, un peu grandi. J'ai un peu grandi, ouais.
Ici Harizon. Ouais, c'est vrai. Ça va, frère? Il est bizarre. Hein. C'est un connard, ce mec. Il a dit, que j'étais un petit. Ah, non. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est ça que t'as dit. Non, t'as vraiment trifouillé pendant une heure pour pas réussir. Ça marche pas. Mais ça me blogue. Mais ça me fume, ouais, ce mec. Mais t'as pas trouvé Mélenchon? Non, mais je vais taper. Maxildan Jeune dans le dans Twitter. Maxildan Jeune. Je vous jure, je l'ai vu le truc. Il fait chaud là. Super chaud. Il fait hot. Il fait très très hot. C'est moi ou... T'as monté la température. C'est moi ou une tension sexuelle. Il fait chaud ici. C'est quoi Rizzo? C'est trop petite tête. Pas. Ça c'est Yoko ça. C'est Yoko. C'est un drop Yoko. C'est un drop Yoko. Bah putain. Eh ben, je crois que t'es le meilleur commercial Yoko que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Mais tous les jours il a du Yoko. Il a du Yoko. Ça coûte une blinde, hein, le gars est. Ça coûte une blinde, mais ça coûte rien quand tu ne le payes pas. Oh, cet expert. Quand t'en es dans les petits papiers du Squeezie. Du petit Squeezos. Hein. Ouh, c'est son meilleur ami. Au frais de la princesse. Il part en vacances avec. Oh là là. Ouais, regarde. Alors que là, bon, meilleur ami de Terracide, ça paye moins. Ok, c'est bon. Ah non. Je me retrouve avec des trucs. Ça bouloge dans tous les sens. J'ai mis trois fois, il a bien rétréci. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les mecs, oui. Alors, j'ai tapé le code, c'est pas du tout ce que. Montre. Non, mais Max. Non. C'était 2014. En même temps, il a pas effacé ses vidéos. Max. Il a pas effacé ses vidéos. Il y a quelqu'un qui t'a fait un tweet en mode oh, Maxildan, il ressemble à un tel jeune. Je sais plus qui. C'était Mélenchon? Non, il dit que je ressemble à. Pattinson. Ah, c'était Pattinson! Regarde, oh bah mais moi y'a un mec qui me dit que je ressemble à Brad Pitt, c'était abusé, gars! Et je vois ça tous les jours, mais Gigi, vous trouvez pas qu'il a la bite de Rocco abusé? Ah ouais, tout le temps, tout le temps! Moi on me dit ouais, Maxime! J'en peux plus! C'est vrai? Oh bah tiens, Rocco! Alors, pour sa défense, c'est pas la première fois. Non, mais parce la qu'à photo... une époque j'avais une, vraiment une beubarde de sur ouf, la photo, ça ressemble. Et comme il a souvent une méga beubarde, voilà, mais effectivement. Oui, oui. C'est une belle comparaison. Oui, non, mais on l'apprend. Ça va bien, Georges? Ça va, mon gars? Comment il va celui-ci? Il mange pas un pépito? Parlez de quoi? Oh là là, le gourmand. On parlait de Maxildan. Bien. On parlait de Max. À qui tu ressembles, toi? Moi? Ouais. Bah, une star connue. Non, Vincent Cassel, toi, tu ressembles. Non, j'ai la voix. Bah, Monsieur Cassel. Attends, je mange. T'as déjà entendu son Cassel ou pas? Non, Max, attends, Max, j'ai entendu son pas si je veux. Je crois que oui. Non, par contre, tu veux. Ouais, je veux. Ah, je te jure que tu veux. Ok. Vas-y, j'ai transformation. Transformation. On se calme. Le micro est là. Le micro, la France te regarde. StreamVF. Mais la France a déjà entendu. Monsieur Cassel, on voulait juste savoir ce que vous pensez de ce Biadji ici. Il vient de Bastia. Waxka, Maxime Biadji. Oh bah la vache. C'est un combinable de ouf. Voilà. C'est un bâtard. Par contre, une fois bronzé, je rentrais du 13ème, on m'a interpellé dans la rue. Bronzé. Parce ouais. Que, non mais ça joue. J'étais en champ bronzé, on m'a dit j'avais un soleil mignon. Qu'on s'est bronzé. T'allais se faire les UV. On m'a dit tu ressembles à Camille Lacour. Ah mais c'est plus la carrure. C'est alors plus la bon, carrure. Ou non, quoi mais, non mais t'es grand, c'est vrai. Oui grand, oui. Non mais j'étais bronzé, short et tout, tu vois, Rizzo. D'accord. Ah t'étais en slip de bain, c'est pour ça. J'ai l'idée de plonger, j'étais dans la rue. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Excellent. Moi les gens disent. Il l'a regardé. Le excellent, c'est qui? Il me dégoûte, ce mec. Du coup, c'est chez la meuf. Non, c'est Giancarlo. Tu connais Giancarlo? Mais putain, c'est le sosie, mec. Est-ce que toi t'as un sosie? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté dans la rue? Oui, moi c'est un mix. Tu prends Tom Holland, Boudère, bam, ça fait moi. La cousine, putain. Ah non, t'as déjà vu Boudère en vrai? Tom Holland, Boudère. Maxou, j'ai déjà vu Boudère en vrai. En vrai, non. Moi, j'ai déjà vu. Tu sais où? J'étais invité à l'avant-première au Grand Rex de Civil War. Oh, je la vais chance. À côté prendre un petit café. C'était Starbucks. C'est ça, c'est abusé. Et là, je vois qui passer. Ah non, il était pas du tout à l'avant-première. Non, il était pas invité. Il était au Starbucks. Il était au Starbucks, à côté. Non, à côté. Et là, je vois qui? Boudère, sans casquette. La vache, je te jure. Et je te promets qu'il ne te ressent pas en aucun mix. Ah mince. Non, vraiment. Boudère Holland. Non, moi, Tom Holland, on m'a dit souvent. Mais quand les gens me disent ça, j'ose pas le dire. Parce que les gens vont dire, c'est. Il abuse. Parce que moi, je trouve pas du tout, tu vois. Tu crois. Ah non, écoute, tu prends Pierre Ninet et Tom Holland, mais que les mauvais. Pierre Ninet, n'a rien à voir, oui. Non, Pierre Ninet, moins. C'est déjà qu'une minute, c'est vrai que c'est plus tard. Et oui, c'est pas grave, attends. Tu prends le mauvais côté Pierre Ninet, le mauvais côté Tom Holland, tu mélanges, c'est moi. Moi j'ai une anecdote sur Pierre Ninet. T'as une anecdote? Ouais. Ouais. En fait je suis allé à une avant-première en 2012. Ok, super. Pierre Ninet, il était au tout début de sa carrière. Ok. Et à la fin on cause parce que nous on est en étude de cinéma et on cause de ouais c'est dur de faire du cinéma et tout. Vous avez pas des bails et tout, vous avez pas des voilà des tips. Et en fait Pierre Ninet, il était coincé à Rennes, il était en mode bah qu'est-ce que vous faites ce soir, on va boire un coup. On vous propose de boire un coup. Et moi, étudiant en première année, con que je suis,
avec mon pote qui m'avait emmené en bagnole, j'ai dit bah non, on doit rentrer. T'es con. Et t'es pas allé voir en cours avec Pierre. Je suis pas allé voir en cours avec Pierre. Est vrai ou fausse? C'est vrai. Non, elle est vrai. Il est fort. Cette anecdote est vrai ou est-elle fausse? Ah, il est fort. J'ai dit que cette anecdote est vraie. Et si t'avais bu un coup, qu'est-ce qui se serait passé à ton avis? Ami pour la vie. Tout de star. Tout de top. Eh ouais. Et si t'as peut-être souvenu de toi? Cette anecdote est totalement vraie. Et totalement top. J'ai gros totalement top. Eh les gars, on est obligé de vous laisser. On vous, il y a la pub Adem. Bisous. C'est maintenant. C'est dans. Je sais pas à quel moment ça va cut, mais il y a la. Il y a la pub Adem qui va passer. C'est une dinguerie très très drôle. En plus, le gars qui joue dedans est très beau gosse. Vous allez très vite comprendre de qui je parle. Je n'en dis pas plus. Gros bisous. Ciao. Et hop. Wow. Yes.